Hello tout le monde! Aujourd'hui, on se rejoint dans une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez voir, je ne suis pas du tout en Sarthe. Je suis descendue à Lyon pour voir les pirates. Parce que si vous ne connaissez pas, il y a le bal des pirates, qui est un événement qui réunit plein de créateurs. Et on est devenus un petit peu potes avec les pirates. Alors je descends les voir. Et aujourd'hui, on va se balader dans Lyon. Parce que j'ai aussi le droit à des petites vacances. Et on va filmer ça, sauf que j'ai aucune idée de ce qu'on va faire. Mais on va le filmer quand même et ça va être sympa. Olympe, il y a mille choses à filmer ici. Et oui, je ne suis pas toute seule. Art des pirates, monsieur. Vintage Tran. Voilà, que exactement. Vous connaissez sûrement. J'espère. Ce que j'imaginais, c'est potentiellement des dingueries, tu vois. Quel genre de dinguerie? Des défis dans la rue, un peu d'action et vérité. Vas-y, je suis chaud. Bah, vas-y, ouais, personne ne me connaît ici, hein, donc ça me va. Alors, hein. Déjà, premier défi, aller jusqu'à la vieille ville en trottinette, ce qui n'est pas chose aisée avec toi. Parce que à cause des voitures et tout? À cause de ta fragilité. Comment ça, à cause de ma fragilité? Il veut que je le tape, lui? Non, mais c'est vrai que moi, j'ai super peur des voitures parce que j'ai eu quelques accidents. Les voitures, c'est des malades ici, genre c'est la jungle. T'inquiète, c'est la rue. Ouais, c'est la rue, ouais. Allez, c'est parti. Bon, bah, ce vlog ne finira jamais. Alors, Olympe, elle est si lente. Je dois attendre 10 minutes à chaque fois. Elle va encore trouver des excuses. Il y a trop de voitures partout. Moi, je suis en skate, donc ça va au calme. Je peux faire des petites dingueries avec. Et pas Olympe. Allez, Zou, avance. Ah, y'a pas non. Tu veux que je fasse quoi ici? Tiens, on peut commencer les actions. Vas-y, trouve-moi un. Et après, je te fais le tien. Toi, le monsieur qui arrive, tu dois me demander si sa fille a un Instagram. Excusez-moi, monsieur, est-ce que vous connaissez le réseau social Instagram? Non. Non, vous connaissez pas? Non. Mais c'est intéressant, vous pouvez publier des photos dessus et partager à vos amis. C'est très intéressant, on peut partager sa vie et tout. Des gros bisous. Erreur, zéro pointé. Il m'a regardé avec des dents, pas très réceptif à ma demande, ouais. Alors moi j'en ai un pour toi, je veux que tu trouves quelqu'un et que tu aies l'air paniqué et que tu lui dises « Excusez-moi, est-ce que vous avez pas vu mon petit kangourou passer ?» J'ai un kangourou domestique et genre il est parti et il sautait comme ça et tu imites le kangourou et tu lui demandes s'il l'a trouvé. Vas-y, vas-y, vas-y. Oh madame là-bas. Excusez-moi, j'ai perdu un truc, est-ce que vous avez vu un petit kangourou passer? C'est l'animal domestique, le truc qui saute, enfin, c'est le truc comme ça là. On l'avait et il s'est échappé, donc vous avez pas vu un truc où des gens paniqués qui sautent, non, qui... Non, là, pour l'instant, non, pas de ce côté, on vient de ce côté. Merde, donc là vous avez rien de ce cas, pas un truc qui sautait non. Comme ça? Merde. Bon, on peut aller dans l'autre côté du trottoir. Mais... Je vais peut-être regarder sur les quais, ouais. Ok, d'accord, merci beaucoup, c'est cool. Ok, au revoir, y a pas. Ils ont pas trouvé, non. Monsieur, excusez-moi, est-ce que vous avez pas vu un petit kangourou passer? On a un petit kangourou domestique, sauf qu'il s'est échappé et on ne le retrouve pas. Vous venez de ce côté-là, oui? Madame, vous avez pas vu un petit kangourou qui passait? Je sais, ça peut paraître un peu surprenant, mais... Je pense qu'il connaît pas très bien Lyon. Et en plus, il saute de manière bizarre. Oui, il saute, genre... Il saute un peu sur une patte. Non, j'ai pas comme ça. Il est parti vers là-bas. Je me demandais qu'est-ce que c'était sur le banc là-bas. Ah, c'est un monsieur qui bronze. Ah oui, c'est un monsieur. Bah, ouais. Il est un peu de cette couleur, le kangourou. Ah ouais. On n'a pas trop eu le temps de voir où il était, quoi. Parce que le truc, c'est si quelqu'un le prend. C'est pas fou quoi. À la fois, on y a des animaux parce que bah, c'est pas quoi, on va un kangourou aussi. Hein. Son prénom, il s'appelle Wally. Wally? Ouais. Comme ouais. Wally B, quoi. Peut-être appeler les flics, non? Mais t'imagines, ouais, mais on leur dit, on a perdu un kangourou dans Lyon. Tu te rappelles, on avait dit qu'on allait lui acheter la petite balise Apple GPS au cas où un jour on le perdait. Ça fait combien de temps que vous l'avez? Bah, en fait, je travaillais dans un zoo cirque et c'était un kangourou qui allait assez mal et sinon il allait l'amener au. Ah ouais, oui. D'accord. Donc, du coup, bah, je l'ai récupéré et il vit en appartement, il vit très bien. On l'emmène au parc et tout. Ouais, ça fait partie des lacs, vous savez, les nouveaux animaux de compagnie. Regardez là où il y a de la verdure à mon avis. En fait, je pense qu'il a dû rentrer dans un magasin parce que à chaque fois. Ah oui, il s'arrête devant les magasins, il a tout le temps envie de rentrer. Je suis sûre qu'il est parti. Bah ouais, t'imagines, tu vois un kangourou débarquer comme ça. Il met ses trucs dans le caddie. En tout cas, merci de votre aide. Ouais. En tout cas, bon courage. Hein. Merci beaucoup. Au revoir. Ok, bah vas-y, c'est parti. Hein. On continue la recherche. Je tiens à dire que j'ai quand même remporté ce défi. Hein. C'est moi qui t'ai sauvé. Hein. C'est notre défi là. Ah, vélo. Mais franchement, il était déter. Hein. Bah oui, il est trop mignon. Il y a vraiment des gens bien. À aller chez Subway et à ressortir avec un truc gratuit. Sérieux là? Ouais. N'importe quoi. N'importe quoi. Mais pas genre une serviette ou autre, un truc payant. Hein. Cool. Ok, ok. Ça marche. Ok. Et bah go. Par tous les moyens possibles. Par tous les moyens. Tu peux utiliser tes réseaux. Alors j'ai une demande un peu particulière. Je suis en train de faire une vidéo YouTube en ce moment. Mon défi c'est de prendre quelque chose chez vous et que je paye pas. Voilà. Est-ce que c'est possible du coup? Ça peut être n'importe quoi, mais c'est un truc payant, pas une serviette quoi. Ah, tu seras un amour. Franchement, énorme. En tout cas, merci. Je remporte le point grâce à vous et c'est super. Merci à vous. Eh, hey, c'est pas un sandwich. J'ai remporté le point. Quoi?
C'est un cookie. Bien vu, t'as gagné le point. Exactement. Il a réussi à choper un truc gratuit, quoi. Attends, parce que... Pas de soucis, je suis là. T'en vois rien avec le soleil. Avec plaisir, des gros bisous, les filles. Oh, mais c'est trop gentil, moi aussi. Bisous. Allez, 2 points. Bon alors, Olympe, j'ai un défi pour toi. Tu sais qu'il fait chaud aujourd'hui. Il fait très chaud. Et du coup, tout ce qui est mouillé, ça sèche vite. Ouais. On est d'accord? Oui. Sur ce principe? Oui. Ok. Je sais. Ton défi, c'est de traverser toutes les fontaines, mais bien comme il faut là. Voilà, et de crier comme une petite fille. Je viens de me faire reconnaître. Mais je m'en fous. Mais non. Tu cries bien comme il faut. Hein. Non. Attends. Je te filmerai de loin, comme ça, t'auras bien la honte, quoi. Allez, Olympe, je crois en toi. Regardez bien Olympe, tout le monde. On t'attend, sinon ça fait... Moi, je vais devoir aller dans l'eau, quand même. Mais non, mais tu vas dans l'eau, hein. Ah oui, t'es dans l'eau, ouais. Ah, t'es bien dans l'eau, là. Ouais. Ouais, 2 secondes, je suis en train de filmer. Juste après. Regarde, ça sort par les trous. Pas mal. Je suis en mouneur. Ah ouais. Énorme. Mais oui, pas de soucis, avec plaisir. Ça me fait trop plaisir de vous rencontrer à chaque fois. Bah, je vais pas te poser. Mais si, il faut, mais du coup, tu m'as vu faire flop dans l'eau. Attends, j'étais censée courir dedans et crier comme ça. Hein. Franchement, elle est bien rincée de ne pas l'avoir fait. Hein. Ouais, tu peux bien rincer tes chaussures d'ailleurs. Regarde-moi ça là. Je valide le point. Je te souhaite une belle journée. Salut. Je suis trempée. Ouais, du coup, on a fait un petit jeu avec Olympe, c'est qu'à chaque fois... Non, franchement, t'as 1 point maintenant. Non. En fait, le jeu, c'est à chaque fois qu'elle se fait reconnaître, elle a 2 points. Oui, mais sauf que la différence, c'est que t'as quand même plus de 600 000 abonnés sur YouTube. Trop pas, j'en ai 500. Et donc, t'as beaucoup, beaucoup plus de chances d'être reconnue que moi. Donc, pour équilibrer le jeu, okay. Eh ben, il faut que je puisse avoir 2 points et toi 1. Ok, ok. Tu vois, donc, ok, donc tu t'es fait reconnaître 2 fois, donc ça fait 4. 4 points. Et toi? Et on vient de commencer la vidéo, hein. Eh, ça va, hein. Ça va, hein. Allez, je compte bien, ouais. Allez-y. Elle est si lente, donc... Je te cherchais, je t'en veux pas, il est passé où et tout? Attends, j'ai failli glisser avec l'eau qu'il y a là dans mes pompes. Ah merde. Du coup, tu vas chez Monoprix, tu cherches un t-shirt rose avec des fleurs, tu l'achètes et tu le portes. Non. J'ai surtout envie de venir chercher le t-shirt que tu dois acheter et porter. Que tu dois porter jusqu'à la fin de la vidéo. Jusqu'à la fin de la vidéo. Oui. Allez. Alors, qu'est-ce que tu vas nous trouver, Olympe? J'ai trouvé un truc. C'est pour toi, on est d'accord. Hein. Non, tu vas porter ça jusqu'à la fin de la vidéo. C'est mignon les petits citrons. Moi je te laisse choisir, hein. Moi je vais pas biaiser ton choix. Hein. Ça c'est tranquille. Oui. Ça je te le fais au calme, ça. J'avoue que c'est très. Ah non, vas-y, tu me dis ça parce que tu justement te le porterais pas et tu sais que si tu me dis ça, je vais pas le prendre. Donc je cherche. Psychologie inversée. Là, je vais le stretcher le truc. C'est mort. Sache que si toi tu me prends ça, le défi que je vais te trouver, il va être vénère. Et il n'y aura pas des trucs dans genre, oh non, je veux pas faire des petits cris de filles et tout. Non, il n'y aura pas tout ça. Il n'y aura pas tout ça. Je veux pas faire des petits cris. Attends, il y a d'autres trucs là-bas. Mais pourquoi je trouve rien? Creuse tes méninges. Mais c'est pas ça, c'était quand même vachement plus que moi. Gros, c'est ça? T'as en gros? Oui. Et du coup, bah. Et. Bah, tu dis quoi? C'est pas sinon tu prends une chemise de nuit mais t'enlèves ton pantalon. Et tu mets du coup en effet robe. Eh oui, allez, hop. Les petits chats, c'est trop mignon. Super, je préférais limite la robe, quoi. Bah tu peux te changer. Un haul, oui, montre-nous ta jolie robe. Voilà. Chez Monoprix. Exactement, avec des petits chats. Ça va, j'ai été soft. C'est juste que c'est une robe de nuit, donc tu vas devoir la porter en robe. Est-ce que je veux qu'il fasse l'étiquette? Attends, il va sauter. Eh, saute pas, frère. On fire. C'est un peu court en fait. Oh non, c'est... On aurait dû prendre plus grand. Waouh, trop sexy. Attends, je crois que ça filme plus. Là, je suis bien là, je me sens. Et maintenant tu sautes. Maintenant tu sautes. T'es tellement sexy comme ça. Ah, j'adore. C'est un truc de mannequin là. C'est marche sur un catwalk en mode super serré. Ouais, c'est bon. Yes. Allez. C'est bon. Magnifique, en fait, ça c'est mémorable. La meilleure tenue pour la photo. On est en train de faire une vidéo en plus. Avec plaisir. Allez, bonne fin de journée. Donc toi tu te fais reconnaître quand t'es comme ça, moi je me suis fait reconnaître en étant trempée. Un petit catwalk, attends. Je vais avoir.
avoir des images sur mon blog qui vont juste être énormes. Monsieur Vin, il va me faire des vues. Et maintenant, tu restes comme ça jusqu'à la fin du vlog. Oh putain, je vais avoir des images qui vont être mémorables. C'est clair. Putain, je me fais reconnaître, t'as vu? Oui, 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 bah t'as vu, on se fait reconnaître au pire moment. Tu prends des risques là. Ça me paraît pas... Tu me parais très serein pour quelqu'un qui sait pas si ça tient. Bon, du coup, on s'est arrêté pour manger une quiche qui était bien bonne, ma foi. Soit la quiche. On va se commencer par se calmer ici, d'accord? Sinon, je tiens à rappeler qu'on a tous les deux des bracelets de Laura Coro. Oui, exactement. Voilà. Allez bijoux. La suivre. C'est du vrai or, c'est avec des pierres qui vous correspondent, vous pouvez les personnaliser et tout. Exactement. Et c'est juste magnifique, donc grosse pensée à Laura, ouais, qui nous a fait ça en cadeau et qui mérite beaucoup plus de visibilité. Je porte pas de bracelet normalement, mais lui il est trop beau, en plus elle me l'a fait vraiment sur mesure. Genre ouais, elle a mis des pierres, bah, la lune, les pierres qui me correspondent et tout, et c'est fait avec amour et passion. Et c'est yes, ce qui tu gères Laura, tu gères. Ah, c'est là qu'on a perdu le kangourou. Wally! 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 Ok, j'ai un nouveau défi. Voilà. Ton rôle, c'est d'être un peu commercial, vendeur, tu vois. Ok. Okay. Et tu vois ce panneau là, Forte Chaleur? Ouais. Tu dois te mettre devant, je te filme et tu vends le panneau. Tu vends le panneau. Je vends le panneau, je vends ce qu'il y a écrit sur le panneau. Tu vends ce qu'il y a écrit sur le panneau. Comme si t'étais filmé par la télé, un truc, voilà. Attends, je réfléchis. Où ça fume, fais gaffe. T'as pas les petites heures à réfléchir, je vois ça. J'arrive pas. Je suis la pire personne en improvisation qui existe. Ok, c'est bon. Nous sommes en été. Nous savons tous que c'est là. Saison des dates. Pour ça, venez à Lyon, vous êtes sûr de pécho. Plus de 600 lieux ombragés, des parcours, des lieux frais et ouverture dès 6h30. Vous pouvez faire une journée date avec votre meuf et vous êtes sûr de la pécho. Venez à Lyon, Forte Chaleur, jouez la carte de la fraîcheur et repartez avec votre fraîcheur. Pas mal. La pire en impro qui existe. Non mais tu m'as vendu. C'est vrai, je t'ai vendu. T'as envie de pécho à Lyon? J'ai envie de faire un détail avec toi, allez c'est parti. Oh. Au revoir. Salut! Bon bah du coup voilà les gars, cette vidéo est terminée. Franchement je pense qu'on a bien rigolé quand même. C'était assez comique sur certains points. Pour le kangourou, il y a vraiment beaucoup cru quand même. Et perso je trouve que cette robe te va plutôt bien. Mes chaussures sont encore un peu trempées mais ça va. Il fait chaud, il fait beau. En tout cas ça m'a fait super plaisir parce que j'ai pu rencontrer plein de personnes d'entre vous. Et ça fait toujours super chaud au cœur. Donc vraiment je suis trop contente par rapport à ça. Voilà! C'est la fin de cette vidéo. Je vous fais des très très gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et peut-être à bientôt, Vin, encore une fois sur notre chaîne. Exactement. Bisous.